Bonjour à toutes et à tous. La vie n'est bonne qu'à étudier et à enseigner les mathématiques. C'est garanti. Chers élèves, niveau baccalauréat de la section économie Inde, gestion, soyez les bienvenus dans cet espace d'apprentissage. Yes, we can. Avec le bon travail et la bonne révision, tout est possible d'obtenir votre baccalauréat. Alors, bon courage. Je me présente. Je suis Béjaoui Walid, professeur de mathématiques enseignement secondaire. Je vous propose aujourd'hui deux exercices. L'objectif de l'exercice 1, c'est la résolution d'un système d'équations linéaires à trois équations en utilisant l'inverse d'une matrice. Voyons-les de l'exercice 1. Il y a deux parties. Dans la première partie, trois questions, euh, pardon, deux questions demandées. On vous donne deux matrices carrées A et B d'ordre 3 avec la matrice carrée et 3. Dans la première question, deux travaux à faire. L'objectif de la première question, c'est comment on cherche la matrice inverse de A. Passons donc à la partie 2. Et comme vous le voyez, donc, il y a trois travaux à faire. En donnant un système S d'équations linéaire à trois inconnus x y z l'objectif de cette partie là c'est la résolution de système. mais une question qui se pose: comment on peut résoudre un système d'équations linéaires à trois inconnues en utilisant l'inverse d'une matrice ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans la première question j'ai dit précédemment donc il y a trois tra deux travaux, pardon à faire il y a la question 1 a et la question 1 b. Et l'objectif de cette question c'est comment on cherche la matrice inverse de A. Un petit rappel pour savoir calculer le déterminant d'une matrice, une question qui se pose vous allez me dire à quoi sert dans cette question de calculer donc le déterminant de la matrice A tout simplement pour arriver à conclure par la suite que cette matrice elle est inversible. Commençons d'abord de faire un petit rappel pour savoir quel calculer que le déterminant d'une matrice. Mais entre parenthèses, vous allez me dire, c'est quoi d'abord le déterminant d'une matrice C'est un nombre réel noté d'être, parenthèse A. On utilise donc deux barres verticales et à l'intérieur, copier-coller pour les coefficients de la matrice A. Et puis, on applique ce qui est proposé en rouge. Essayons si donc de l'appliquer dans notre cas. On va dans la matrice carrée A d'ordre 3. On veut calculer donc le déterminant de cette matrice. On applique ce qui est proposé en rouge. Juste faire attention, s'il vous plaît, aux fautes d'inattention, aux fautes de calcul. Prenez votre temps ici pour que la réponse soit exacte. Une fois qu'on applique ce qui est en rouge, on trouve finalement le déterminant de A est égal à moins 4. N'oubliez pas que c'est un réel. Cela veut dire quoi, un réel, monsieur On peut obtenir parfois un réel négatif, un réel positif, et n'oubliez pas. Parfois, les bonnes surprises qu'on trouve, parfois le déterminant de la matrice A est égal à 0, ce qui n'est pas le cas ici. L'objectif, comme je dis précédemment, donc, de cette question, de montrer que la matrice A est inversible. Une question qui se pose encore une fois, monsieur, s'il vous plaît, à quoi sert de calculer donc, le déterminant de A Est-ce que juste pour marquer des notes, ou bien il y a un rôle pour la prochaine question Bien sûr que oui. on de lire ce qui est en rouge. On vous donne une matrice carrée A, soit d'ordre 2 ou bien d'ordre 3. Dans notre cas ici, on travaille avec une matrice carrée d'ordre 3. Euh, pour montrer que la matrice A est inversible, alors il faut arriver à prouver ça. J'insiste sur la condition différente de 0, qui est le cas ici. Une fois qu'on a fait donc le calcul, on a trouvé le déterminant de A est égal à moins 4. Faire attention, s'il vous plaît, dans vos écritures. Donc, on n'écrit pas donc ici le déterminant de A est égal à moins 4 et en même temps avec cette notation, toujours essayer de suivre cette rédaction pour que les choses soient claires. Alors, finalement, on trouve que la matrice A est inversible. Passons maintenant à la question encore 1, mais maintenant c'est la partie B. Qu'est-ce qu'il y a dans la partie B Il y a ce qu'on appelle par le calcul matriciel. Vous allez me dire, est-ce qu'on va donc juste calculer des matrices pour... Euh, obtenir quelques bonus ou bien non Non. Le calcul matriciel demandé dans cette question a comme objectif, c'est la recherche de la matrice inverse. Vu que les questions ne sont pas indépendantes le jour de bac, est-ce qu'il va nous demander uniquement de suivre les questions juste pour marquer des notes Bien sûr que non. Pourquoi il a demandé dans la question précédente de calculer donc le déterminant de A Ce qui est sûr pour arriver à montrer que la matrice A est inversible. Encore une fois, pourquoi on doit prouver que cette matrice, elle, est inversible pour trouver la matrice inverse de A. Donc ici, comme vous le voyez, donc on vous demande de calculer donc ce produit matriciel entre la matrice A et la matrice B-2 et 3. On peut donc partager le travail en deux étapes pour ne pas donc faire des fautes de calcul. D'abord, on essaie de chercher l'expression de la matrice B-2 et 3. En suivant bien sûr donc, ce calcul matriciel, on arrive finalement à cette écriture la matrice B moins 2 et 3 et la matrice carrée d'ordre 3 dont les coefficients sont donnés. Passons maintenant au travail suivant. N'oubliez pas, dans la question 1B, ce qui est demandé, c'est ça. C'est vrai, j'ai essayé donc de vous aider à partager le travail en deux étapes pour arriver à, à un bon résultat. Je vous rappelle ça c'est la matrice K et A d'ordre 3, ça c'est la matrice B 2 et 3 qu'on a trouvé donc dans la partie précédente on vous demande de calculer maintenant ce produit matriciel. Une question que se pose comment monsieur s'il vous plaît, je suis capable comme étant élève comme vous de arriver à calculer donc ce produit matriciel. D'abord, je remplace chacune de ces deux matrices par ces deux écritures L'objectif, c'est quoi, monsieur C'est arriver à trouver donc, les coefficients inconnus de cette matrice carrée d'ordre 3. Vous allez me dire encore une fois, où sont, monsieur, s'il vous plaît, les coefficients inconnus Je parle bien de coefficients 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, pardon. Ce sont les coefficients de la première ligne. Un petit rappel pour savoir calculer donc, le produit entre deux matrices de même ordre. Donc, ici, de appliquer donc, cette méthode, toujours on applique ce qui est proposé en rouge. Cela veut dire quoi, monsieur, vous allez me dire. On essaye de calculer donc, le produit des coefficients de la première ligne par les coefficients donc, de la première colonne. Encore n'est pas clair, monsieur, s'il vous plaît. Tout simplement, mademoiselle et messieurs, on essaye de chercher la valeur du coefficient A. Un, un. Vous allez me dire, est-ce que c'est obligatoire de faire ça le jour de BAC C'est à vous de choisir. Mais l'essentiel, c'est arriver à ce résultat. Vous allez me dire, comment monsieur tu as trouvé donc ces coefficients-là Cette matrice diagonale dans les coefficients sont 2, 2, 2. Ce n'est pas comme ça au hasard. Tout simplement, en appliquant à chaque fois cette méthode pour le reste des coefficients. Inconnu. Et finalement, on trouve cette écriture, le produit de la matrice A par la matrice B moins 2 et 3 nous donne finalement si la matrice e 3 multipliée par le coefficient 2. Passons maintenant à la partie suivante. Encore une fois, nous sommes dans la question 1B, vu qu'il y a deux travail à faire dans la question 1B. Donc, une fois qu'on a calculé donc le produit matriciel de la matrice A par la matrice b 2 et 3 on vous demande de déduire parenthèse à ouvrir une question déductive de déduire la matrice inverse de a vous allez me dire c'est quoi la relation entre ce qui est trouvé dans la question précédente avec ce qui est demandé maintenant on essaie d'appliquer ce qui est proposé en rouge ici si on donc de voir ce qui est donc demandé donc dans cette question là on vous demande de chercher donc la matrice inverse de A, une première lecture de ce qui est proposé en rouge, connaissant deux matrices carrées d'ordre 3, A et C. Alors, si on arrive à l'une de ces deux égalités, vous allez me dire, quelles sont, monsieur, les égalités Si parfois, dans un exercice, nous sommes avec cette écriture-là, le produit de la matrice A, entre parenthèses, qu'on se propose de trouver donc sa matrice inverse par une autre matrice carrée, C, on trouve la matrice identité étroite, 3, ou bien nous sommes dans ce cas-là. Là, faire attention, le produit matriciel n'est pas commutatif. Mais sinon, on se place là, ou bien là, c'est facile de chercher. Donc, par la suite, la matrice inverse de A. Parenthèse à ouvrir encore une fois, voici un conseil le jour de bac, c'est pas à vous de chercher librement comme ça. Donc, la matrice inverse. Toujours on vous aide question par question pour arriver à cet objectif. Si le cas ici, n'oubliez pas qu'on a déjà. Calculer donc ce produit matriciel, on a trouvé donc cette écriture-là A pas, euh, multiplié par la matrice B moins 2 et 3 donc 2 et 3. Et à partir maintenant de cette égalité, j'essaie d'appliquer ce qui est en rouge. Encore une fois, vous allez me dire encore l'image elle n'est pas claire, monsieur. Cela veut dire j'essaie de chercher qui joue le rôle de la matrice C. Ici, on doit voir d'abord le début donc de la réponse. Je vois donc la matrice A. On voit donc notation produit. Qui joue le rôle maintenant de la matrice C C'est la matrice B moins 2 et 3. Mais là, il y a un petit problème, cher élève, c'est que là, on n'a pas trouvé la matrice identité et 3. Vous allez me dire pourquoi, monsieur, vu qu'il y a le coefficient 2. Voilà pourquoi, dans la première étape, on essaye d'éliminer le 2 pour rendre cette écriture-là avec celle qu'on a déjà parlé, avec la même forme. Et finalement, on se place avec ce qui est proposé là. On peut travailler bien sûr par équivalence. Et de là, essayer de comparer ce qui est proposé là et là, on peut maintenant mentalement connaître qui joue le rôle de la matrice C. Bien sûr, là, vous devez donc euh, passer donc, à l'étape suivante. Vu qu'on l'a proposé donc euh, dans ce rappel-là, une fois qu'on arrive à l'une de ces deux égalités, alors je peux déduire maintenant la matrice inverse de A. Encore une fois, vous allez me dire à quoi sert de trouver la, mat la matrice inverse de A. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine question. La partie 2 donc, de l'exercice, chers élèves, on vous donne un système S. Et avant de lire la première question, j'aimerais bien ici ouvrir une parenthèse pour parler un peu, un peu pardon, de ce système-là. C'est quoi, monsieur, l'objectif de cette question 2 C'est la résolution de ce système. Encore une fois, vous allez me dire, cela veut dire quoi Résoudre un système d'équations linéaires à trois inconnues, c'est on essaye de chercher le triplet dont les inconnues sont x, y, z. Vu parfois qu'on peut, par exemple, choisir comme ça un triplet au hasard, vous allez me dire, monsieur, donc je peux remplacer, je ne sais pas quoi ici, donc le z par zéro. Je peux remplacer le x par 0 et je peux remplacer le y par 1 et ici on voit que le triplet, 1, euh, pardon, le triplet 0, euh, pardon, euh, 0, 1, 0 est une solution de ce système. Mais avec le même triplé, on n'arrive pas à vérifier donc les deux autres égalités. Voilà pourquoi, chers élèves, on essaye de chercher un seul triplé qui vérifie à la fois les trois équations. Mais ce n'est pas compliqué. Essayons donc dans cette question de faire trois travaux. Voyons maintenant c'est quoi le premier travail demandé. Essayons de lire ce qui est proposé en bleu. La question demandée est la suivante Existe-t-il alpha appartenant à R Bla 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 bla. Oh, un petit problème, monsieur là. C'est quoi le mot existe Quand même, est-ce qu'on va prouver l'existence ou bien il y a autre chose à prouver Essayons de lire donc la suite de la question. Chers élèves, on vous demande euh, existe-t-il d'abord, c'est une question interrogative, peut-être oui ou peut-être non, de trouver donc euh, un réel alpha pour que ce triplet. Voyons donc euh, l'écriture de ce triplet-là, qu'est-ce qu'on voit ici Qui joue le rôle de x C'est alpha. Qui joue le rôle de y Encore c'est alpha. Et qui joue le rôle de z C'est zéro. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on va comme ça, chercher donc à remplacer alpha au hasard Ici, on doit tester, par exemple. Si je remplace le alpha par 1, ça marche ou bien ça ne marche pas On peut le vérifier, mais comme ça, donc l'opération ne, ne, ne se termine pas. Voilà pourquoi, pour répondre à cette question 2A, on commence par se donner. N'oubliez pas, on vous demande l'existence, bien sûr que oui ou bien non, en donnant ça. Le fait que le triplet alpha, alpha 0 est une solution de ce système, j'ai le droit d'écrire ça. Vous allez me dire, comment on a fait ce passage, monsieur Tout simplement, Mademoiselles et messieurs, on a remplacé x, y, z dans chacune de ces trois équations par alpha, alpha 0. Le calcul nous ramène à trouver maintenant ces trois égalités. Une question que se pose, est-ce qu'on peut trouver le même nombre réel à la fois égal à 1,5 demi ou bien à la fois est égal à 1 Vous allez me dire ça, c'est impossible. On n'a pas ça. Mais encore, est-ce que je peux dire qu'on a 0 égale 1 Vous allez me dire, donc, ça c'est absurde. Voilà pourquoi l'existence de ce triplé-là n'est pas donc, valable dans cette question-là. Et on peut donc écrire ce qui est impossible. Passons maintenant à la prochaine partie. Encore, je vous rappelle que nous sommes toujours dans la question 2. Dans la question 2, il y a trois travails le 2A, 2B et 2C. Passons maintenant à la question 2B. Et si on de voir ce qui est demandé. Mais avant de parler de ce qui est demandé, on essaie de chercher quoi finalement, monsieur Est-ce que juste pour répondre à ces questions-là, comme ça Non. N'oubliez pas, l'objectif, s'il vous plaît, de la question 2, c'est la recherche de la solution du système. Est-ce qu'on a demandé directement de chercher les solutions, euh, la solution pardon? Bien sûr que non. On essaie de vous donner des questions intermédiaires pour vous aider à déterminer donc, cette solution. Comme la question 2B. Mais avant encore une fois de parler de la question 2B, j'aimerais bien ici parler un peu à propos de l'écriture matricielle d'un système. Comment l'un entre vous est capable de traduire donc ce système sous forme d'une écriture matricielle L'idée, elle est simple. J'essaie de rendre cette écriture-là sous la forme d'un produit entre deux matrices et est égal à une autre matrice. Vous allez me dire, comment donc je peux trouver donc ces trois matrices-là la première matrice, ça sera la matrice carrée d'ordre 3, dont les coefficients sont 4, moins 2, 6, 3, moins 1, 5, etc. Ah tiens, donc, donc l'idée, elle est simple, monsieur. Il suffit donc de prendre 4 comme étant premier première coefficient de cette matrice, il suffit de prendre 6 là, et on fait donc copier-coller pour les coefficients des trois inconnus. Donc, ça, c'est pour la première matrice carrée d'ordre 3. La deuxième matrice, c'est une matrice colonne. Voyons donc les coefficients de cette matrice-là. Qu'est-ce que je vois ici X, Y, Z qui sont les inconnus de ce système. Supposons qu'on a changé donc les lettres avec d'autres triplets, tels qu'on voit par exemple petit a, petit b, petit c. Donc, je peux remplacer là petit a, petit b, petit c. Et la dernière matrice, c'est laquelle, monsieur Ce qui est dans le membre à droite. Qu'est-ce que je vois ici Le 1, 2, 1. Donc là, voilà, mais là, parfois, il y a des pièges. Vous allez me dire, où sont les pièges, monsieur Imaginez, par exemple, qu'on va ramener donc le 1 dans l'autre membre. Dans cette étape-là, on aura cette nouvelle équation. 4x moins 2y plus 6z moins 1 égale à 0. Et si on doit refaire ce qu'on a dit précédemment, vous allez me dire, on va garder la même matrice, carré d'ordre 3, on va garder la même matrice colonne. Dans les inconnus sont x, y, z. Mais qu'est-ce qu'on va mettre là Est-ce que je commence de mettre ce zéro là Faire attention. Pour faire une bonne écriture matricielle d'un système, je vous conseille, dans le membre qui est à gauche, essayer de garder uniquement les coefficients des inconnus, avec bien sûr les inconnus. Et dans le membre à droite, si on vous propose parfois dans d'autres exercices, là moins 1, là moins 2, donc d'abord je ramène ces nombres-là dans la partie à droite pour que l'écriture matricielle sera facile. Une fois qu'on arrive à chercher l'écriture matricielle, donc là, on vous aide à travers cette question-là de chercher donc, la solution de système. C'est quoi donc, la question demandée Pourquoi j'ai parlé un peu donc, euh, trop dans cette question-là, vu que la question n'est pas facile L'objectif de la question, c'est de traduire l'écriture de ce système-là sous forme d'écriture matricielle. Ici, on doit voir ce qui est demandé d'abord. On vous demande de montrer cette égalité. À gauche, qu'est-ce que je vois Je vois celle-là, c'est la matrice colonne, c'est une matrice colonne, pardon, dont les, dont les coefficients sont x, y, z. Et à droite, qu'est-ce qu'on voit On voit 1, 2, 1, même si mentalement, donc parfois, donc je peux faire une bonne lecture, mais on voit une nouvelle matrice. Vous allez me dire, donc ça, c'est quoi cette matrice-là N'oubliez pas dans la question précédente qu'on a cherché la matrice inverse de A. Et si on, voit, on va comparer maintenant cette nouvelle matrice avec ce qui est trouvé donc dans la question précédente, vous allez voir que c'est la même écriture. Et de là, le jour de bac, chacun entre vous est capable de savoir est-ce que sa réponse elle est correcte ou bien fausse. Il peut donc, dans la progression des questions, il peut comparer donc ce qui est trouvé dans la question, par exemple, de A par rapport à ce qui est demandé dans la question de B. Donc, partir de ce donné, connaissant que le triplet XYZ est solution de S, j'ai le droit d'écrire ça. Et je peux travailler encore une fois par équivalence. Vous allez me dire pourquoi. Donc, le fait que X, Y, Z est solution de système S, donc je peux écrire ça. C'est copier-coller pour le système. Puis, l'étape 2, on essaie de rendre ce système-là sous forme d'une écriture matricielle. Déjà, on a parlé de ça. L'étape 3, j'ai remplacé donc cette matrice carrée d'ordre 3, c'est la matrice A. Imaginez, par exemple, dans d'autres exercices, il n'a pas donc proposé cette matrice, on peut donc la changer par autre écriture. Et de là, ici, on trouve le produit suivant. La matrice A fois cette matrice colonne, on trouve 1 sur 2. Et c'est quoi maintenant l'objectif Ici, on doit parler un peu à propos de cette égalité. N'oubliez pas, donc, l'objectif c'est quoi J'arrive à ça. Je veux donc avoir cette écriture-là de, ce, de cette matrice colonne dans les inconnus X, Y, X, Z. Donc, l'idée c'est quoi Donc, on essaye maintenant d'éliminer la matrice A. Mais la matrice A, ce n'est pas un nombre pour l'éliminer. Faire attention. Ce n'est pas un coefficient 2 pour diviser par 2 ou bien un coefficient moins 3 pour diviser par moins 3. Non. Donc, ici... On peut donc imaginer ça mentalement, c'est comme si, donc là, qu'est-ce qu'on a fait pour faire ce, ce passage-là On essaye d'éliminer donc la matrice A par le produit de cette matrice par sa matrice inverse, par sa matrice inverse, et bien sûr, donc c'est comme si on a fait donc un produit dans les deux membres pour arriver à cette égalité. Bien sûr, j'ai le droit de faire ce passage vu que la matrice A est inversible, et finalement, donc, j'obtiens ce qu'il faut demander. Passons maintenant à la partie suivante, c'est la dernière partie donc dans l'exercice 1. C'est l'objectif, c'est la résolution de système. Je vous rappelle dans la question précédente, on a trouvé donc cette égalité là et c'est quoi l'objectif ici Vous allez me dire qu'on veut trouver donc les inconnus x, y, z. Donc il suffit donc de chercher donc ce nouveau produit matriciel entre cette matrice carrée d'ordre 3 et cette matrice colonne on arrive donc à cette étape-là. Vous allez me dire, monsieur, comment tu as fait ce passage-là Tout simplement, mademoiselle et messieurs, en appliquant donc ce qui est donc proposé donc dans la question 1b. On essaie de chercher le produit des coefficients de la première ligne par les coefficients donc 1, 2, 1. Étape par étape, on arrive à ce résultat. Et avant, s'il vous plaît, le jour de bac, de mettre l'ensemble des solutions dans R3. Pourquoi R3 Puisqu'on cherche trois inconnus, s'il vous plaît pendant quelques secondes, essayer de vérifier mentalement. Bon, si je remplace le x par 3 demi et je remplace le y par 5 demi et je remplace le z par 0, est-ce que ça marche Pour les trois équations, faire attention. Ce n'est pas me dire, ah, oh, monsieur, tiens, j'ai vérifié avec la première et avec la deuxième. Parfois, ça ne marche pas. Voilà, donc, euh, on a fini l'exercice 1. Passons maintenant à l'exercice 2. Quand vous voyez donc, l'objectif de l'exercice 2, c'est savoir étudier une fonction en utilisant une fonction auxiliaire. Ce qui est remarquable ici, donc, euh, c'est ce... Cette phrase-là, une fonction auxiliaire, vous allez donc voir l'utilité de cette fonction pour savoir étudier donc la fonction f. Vous allez me dire ce qui est proposé dans l'exercice, Ça sera maintenant deux fonctions. Une première partie pour cette fonction-là notée g et une deuxième partie pour la fonction f. Et on finit donc l'exercice par le calcul d'air en utilisant une intégrale. Passons donc à la lecture de l'énoncé de l'exercice 2. Dans cet exercice, il y a trois parties. Une première partie, c'est la question 1. Donc là, vous allez voir, lorsqu'on va répondre question par question, l'objectif de cette question, c'est connaître le signe de la fonction g. Vous allez me dire, comment donc je peux connaître le signe Est-ce que vite fait, on va répondre à la question Bien sûr que non. Pour arriver à répondre à la question 1c, d'abord, on doit répondre à la question A et à la question B. Mais d'abord, on de faire une lecture de l'énoncé. Qu'est-ce qu'il a proposé là Faire attention, ce n'est pas la courbe de g, c'est la courbe de la fonction dérivée g' de g. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi il a proposé cette courbe-là? C'est quoi le rôle de la fonction g' comme étant la dérivée de la fonction g? C'est pour dresser le tableau de variation de g. Une petite parenthèse, comment un élève entre vous capable de répondre à la question 1b? Cela veut dire quoi? Dresser le tableau de variation de la fonction g. Tout simplement, on essaie d'abord de chercher à calculer la fonction dérivée de g. Et puis, ce qui est important, c'est étudier le signe de la fonction g'. Ici, on va changer un peu de rythme. Cela veut dire quoi Ce, ce, ce n'est pas un exercice classique comme d'habitude. Cela veut dire que ce n'est pas à vous maintenant de chercher à calculer g', puis étudier le signe de la fonction g'. Non, on va utiliser maintenant la courbe de la fonction g' pour connaître le signe de g'. Encore une question qui se pose, vous allez me dire, c'est quoi la relation entre une courbe est signe d'une fonction. Tout simplement, chers élèves, quand vous le voyez, donc, la courbe représentée en rouge, c'est la courbe de g', et il y a donc deux parties. Sur chacun de ces deux intervalles, je peux déduire à partir de cette lecture graphique que la courbe g' elle est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini 0, puis... Elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi tu as commencé de faire l'interprétation de l'exercice avant de, de voir la correction Pour vous aider à bien choisir parfois les questions qui sont faciles au jour de bac. Pour ne pas perdre le temps parfois pour, des, pour le choix difficile des questions, toujours avec les lectures graphiques, donc c'est simple. Donc ça, c'est la première partie. Passons maintenant à la partie 2. Voilà, maintenant, n'oubliez pas, dans l'objectif de l'exercice, on a parlé de quoi on a parlé donc d'une fonction et une fonction auxiliaire. Vous allez me dire, où est-elle la fonction auxiliaire, monsieur C'est la fonction g. Vous allez voir, donc c'est quoi la relation entre la fonction g et la fonction f. Donc, voici donc l'énoncé de, de la partie 2 de, 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 de l'exercice. Une fois qu'on arrive à répondre à ces questions-là, l'objectif c'est... Dresser le tableau de variation de f. Vous allez me dire, mais ça c'est simple pour euh, dresser le tableau de variation de la fonction f. Est-ce qu'on voit ici donc euh, la fonction g Voici l'expression de la fonction g. Vu que g, connaissant bien sûr son signe, donc euh, le signe de g, il joue un rôle très important pour connaître le signe de f'. Une fois qu'on arrive à répondre à la question 3a, c'est simple de déduire les variations de la fonction f. Passons maintenant à la dernière partie. Dans cette partie-là encore, on vous donne dans la question 4 euh, une question donc, euh, de savoir prouver qu'un point est un point d'inflexion d'une courbe. On va parler de ça par la suite. Et la dernière question sur le calcul d'air en utilisant une intégrale. Commençons donc de travailler avec la question 1. Dans la question 1a, on vous demande de étudier le signe de la dérivée de G. Le signe de la dérivée de G, ce qui est trouvé donc là, c'est une lecture graphique de la courbe de G'. Donc on a parlé précédemment, vu que cette courbe-là elle est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini 0, donc je peux déduire que la fonction g' elle est négative. Et vu que la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc je peux déduire que la fonction g' elle est positive. Donc là le jour de Bac vous avez deux choix. Soit donc répondre comme ça. Comme les deux points proposés, ou bien vite fait, pour gagner le temps le jour de bac, s'il vous plaît, on peut donc remplacer donc ce qui est proposé par le tableau de signes de la fonction g'. Une question qui se pose, vous allez me dire à quoi sert donc de connaître le signe de g' Pour répondre à cette question, c'est le travail pour connaître les variations de g. On vous demande dans la question 1b de dresser le tableau de variations de, 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 variation de g. Ce qui est demandé, ce n'est pas de chercher à calculer la dérivée de g il n'a pas demandé ça. Vu qu'on a déjà trouvé le signe de la fonction g', alors je peux déduire par la suite les variations de la fonction g. En voyant donc ce qui est encadré, il y a trois lignes. Ici, on doit parler un peu de la deuxième ligne. C'est la réponse de la question 1a. Voici donc le signe de g'. Le fait que la fonction g' elle est négative sur l'intervalle moins l'infini 0, donc je peux déduire que la fonction g elle est décroissante et par la suite qu'elle est croissante. Et bien sûr, n'oubliez pas, la question demandée, c'est dresser le tableau de variation. Ce n'est pas étudier les variations, bien connaître les variations de la fonction g. Donc, c'est à vous maintenant de chercher les limites ou bornes de son domaine de définition pour la fonction g. Pour la première limite, elle est simple. Donc, on vous demande de chercher donc la limite de la fonction g lorsque x euh, tend vers moins l'infini. Il suffit donc de suivre, s'il vous plaît, cette rédaction-là. Je commence d'abord de remplacer l'expression g par la fonction g pardon, par son expression exponentielle x moins x moins 1, avant de chercher la réponse. Donc, je peux parler maintenant mentalement pour quand même connaître le résultat. Là, qu'est-ce que je vois ici Je vois deux fonctions. C'est la fonction qui a x associé exponentielle x et la fonction qui a x associé moins x moins 1. Pour la première, on a une limite remarquable et la suivante. La limite... Lorsque x tend vers moins l'infini de exponentiel x est égal à 0. Donc, bye bye pour cette première fonction. Mais pour la deuxième, je vous rappelle que c'est un, une fonction donc, pour les nombres de premier degré. Donc, il suffit mentalement donc de chercher donc, le signe de coefficient de x qui est moins 1. Et comme ça, on trouve finalement plus l'infini. Pour la deuxième, maintenant, on vous demande de chercher la limite de la fonction g au voisinage de plus l'infini. Ce si n'est pas facile comme la première vu qu'on se place avec ce qu'on appelle une forme indéterminée. Une fois qu'on se place avec une forme indéterminée, parenthèse à ouvrir pour ces quatre formes indéterminées, il y a donc cette forme indéterminée, la fonction qui est x associée exponentielle x au voisinage de plus l'infini, donc plus l'infini. Mais pour la deuxième fonction qui a x associé moins x moins 1, en remplaçant x par plus l'infini, tend vers moins l'infini. Et là, j'ai une somme entre deux fonctions. La première tend vers plus l'infini, mais la deuxième tend vers moins l'infini. Voilà pourquoi on essaie de changer l'expression de la fonction g. Un choix, donc, c'est de mettre exponentielle x en facteur. Une fois qu'on arrive à faire ça, vous allez me dire, mais là, on voit trois termes, monsieur. Là, on voit pas donc le terme exponentiel x. On peut mettre donc exponentiel x en facteur. Là, pas de problème. Là, on voit pas donc l'exponentiel. On va diviser. Pourquoi tu as divisé donc par exponentiel x Si on fait une marche arrière, de refaire donc le développement, on arrive à la première écriture. Et puis, on se place maintenant. Ce si n'est pas une somme. Ce sera maintenant un produit entre deux fonctions. Pour la première fonction qui est x associée exponentielle x, encore une fois, c'est une limite remarquable, on trouve plus l'infini. Et là, pour la deuxième fonction, on voit trois termes. Pas de problème pour ces deux-là. Encore une fois, donc là, on voit ce n'est pas une limite remarquable, vu qu'on sait que la limite de exponentielle x sur x au voisinage de plus l'infini tend vers plus l'infini. Ici, donc, d'inverser, on se place avec la forme 1 sur plus l'infini qui donne 0. Et là, encore 0. Et finalement, donc, on trouve... Un produit entre une fonction qui tend vers plus l'infini et une autre qui tend vers 1, on trouve plus l'infini. Et là, on vous demande de chercher g de 0. Après un calcul simple, en remplaçant bien sûr x par 0, donc on trouve 0. Avant de passer maintenant à la partie suivante, essayons de faire une bonne lecture maintenant de ce tableau de variation. Ce qui est remarquable donc là, que la fonction g, elle admet un minimum en 0 qui vaut g de 0 égale à 0. Vous allez me dire, monsieur, toujours on a un problème avec ce langage minimum, maximum. Non, non, non. Pour vous dire simplement, le fait que j'ai admis un minimum en zéro qui vaut g de zéro, donc je peux traduire ce donné par une écriture mathématique. Donc voyons cette écriture là. Le fait que j'ai admis un minimum en zéro qui vaut donc g de, g de zéro, pardon, égal à zéro, donc j'ai le droit d'écrire ça pour tout x appartient au domaine de définition. Et tiens là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a répondu donc à la troisième partie de la première question et c'est de connaître le signe de la fonction g. Une question qui se pose, à quoi me sert de connaître le signe de g Pour répondre à cette question, on passe à la partie 2 de l'exercice. On vous donne donc dans cette question-là une fonction f dont l'expression est la suivante. Dans la question 2a, on vous demande de calculer donc ces deux limites-là. Donc, dans la première limite, on vous demande de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, comme on a fait avec la fonction. J'ai d'abord remplacé f de x par son expression. On se place donc avec cette nouvelle écriture-là. Qu'est-ce que je vois ici D'abord, on voit deux fonctions. La première, c'est un produit entre deux fonctions qui a x associé exponentiel 2 et qui a x associé exponentiel moins x. Et la deuxième, c'est la fonction qui a x associé à x moins 2. Donc là... Mentalement, d'abord, j'essaie de chercher où je suis. Est-ce qu'avec une simple limite à trouver ou bien avec une forme indéterminée Si avec le cas 1, vite fait, donc, on met donc le résultat, bien sûr, parfois en justifiant. Et si on se place avec une forme indéterminée, c'est à vous maintenant de changer donc, la forme de l'expression de f. Avec donc cette limite-là, pas de problème, vu donc que la première fonction, comme étant produit entre de ces deux fonctions-là, on trouve donc moins l'infini. Et pour la deuxième, c'est une fonction, donc polynôme de premier degré, encore on trouve moins l'infini, somme de deux fonctions, chacune tend vers moins l'infini, pas de forme indéterminée. Puis on vous demande de calculer cette limite, ce qui est donc entouré là, ce n'est pas maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, mais on vous demande de chercher la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Étape 1, s'il vous plaît, d'abord remplacer f de x par son expression. Puis... Et on essaie encore de faire une lecture de cette limite pour je vois où je suis. Est-ce qu'avec une limite simple à trouver ou bien avec une forme indéterminée. Ici, donc, on n'a pas donc, trouvé de problème. En divisant par x, là, je vous rappelle qu'on a une somme entre deux fonctions. On trouve donc, cette nouvelle écriture. Et on essaie de chercher donc, pour... La fonction qui a x associé x plus 2 sur x, je vous rappelle que c'est une fonction rationnelle. L'idée est la suivante. Pour chercher donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 2 sur x, on choisit les termes du plus haut degré, en haut et en bas. Ce qui est le cas ici, on trouve 1. Pour celle-là, pas de problème. Mentalement, si je remplace le x par moins l'infini, on se place avec cette écriture-là. Et là, encore une fois, pas de problème, vu que le, la fonction qui a x associé 2 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Passons maintenant à la partie suivante. On vous demande une interprétation graphique. Bien sûr là, on vous demande cette interprétation vu qu'il y a une question déductive. Vous allez me dire, cela veut dire quoi, monsieur ça Cela veut dire, une fois qu'on a répondu donc à la question de A, on essaie maintenant de répondre à la question encore de A, mais avec une interprétation graphique. Et si on doit lire ce qui est proposé en rouge... C'est l'étude des branches paraboliques. Vous allez me dire, euh, cela veut dire quoi, branche parabolique. Il y a deux mots. Bon, on, il y a donc le mot parabole pour vous dire donc que la direction de la courbe parfois elle semble comme étant une parabole. Et pour parler donc de cette branche là, il y a donc euh, ces deux égalités. Et une fois qu'on se place avec la première ou bien avec la deuxième, donc je peux déduire euh, cette branche parabolique. Parfois, on peut dire euh, que la courbe CF admet une branche parabolique de direction celle de l'axe vertical au J, ou bien parfois avec celle de l'axe des abscisses horizontales. Vous allez me dire, comment Est-ce qu'on fait le choix comme ça au hasard Bien sûr que non. Ça dépend donc de ce qui est trouvé comme limite de ce quotient. Voilà pourquoi dans la question précédente, on vous demande de chercher la limite de f du x sur x lorsqu'il est x envers plus l'infini. On a trouvé donc plus l'infini. Donc, je peux appliquer donc ce qui est en rouge pour conclure finalement l'interprétation graphique. Passons à la partie suivante. Dans cette question-là, encore, euh, nous sommes toujours avec l'étude de la fonction f. Une fois qu'on a fini avec euh, euh, l'étude des branches infinies de la courbe de f, mais dans la question précédente, on a travaillé donc juste au voisinage de moins l'infini. Vu que f est défini sur R, il y a autre travail à faire. On vous demande dans la question 2b de montrer ce qui est en bleu. C'est ce quoi donc ce qui est en bleu, monsieur On vous demande de montrer que la droite delta est une asymptote parfois oblique ou bien non, c'est pas important, l'essentiel à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Pour arriver à répondre à la question 2B, ici, d'appliquer donc ce qui est en rouge, on dit que la droite delta dans son équation Y égale à X plus B est une asymptote à la courbe CF si on prouve cette égalité. Cela veut dire quoi C'est comme si on doit changer la façon de poser la question. C'est vrai, donc, en lisant donc la question 2B, il n'y a pas de calcul du limite demandé, mais... En voyant ce qui est proposé en rouge, on va changer donc, la façon de poser la question sous cette forme-là. Voilà pourquoi donc, dans ma réponse, je commence de chercher à calculer cette nouvelle limite. Ce qui est entrecroché maintenant, ce n'est pas la fonction f. On voit l'expression de f de x moins l'expression x moins 2. D'abord, commencez, s'il vous plaît, de faire attention au calcul. Remplacez f2x par son expression. Simple calcul vous ramène à trouver donc ce produit entre ces deux fonctions. Puis, n'oubliez pas mon conseil, lorsqu'on vous demande de chercher à calculer une limite, faire une première lecture pour voir où je suis avec une limite simple ou bien avec une forme indéterminée. C'est le cas de ici. On se place avec un produit entre deux fonctions. La première qui a x associé à x plus 2 et la deuxième à x associé exponentiel moins x. Pour la première, lorsque x tend vers plus l'infini, on trouve plus l'infini. Mais pour la deuxième, lorsque x tend vers plus l'infini, on trouve 0 Et comme ça, ici si on doit lire le résultat. C'est le produit de plus l'infini par 0 Tiens, encore un problème. C'est une forme indéterminée. Voilà pourquoi donc le jour de bac, parfois on vous donne des limites simples à trouver, et parfois quand même il faut faire un peu d'effort pour changer parfois la forme d'une fonction ou bien d'une expression pour régler donc, la forme indéterminée. C'est le cas ici. Tout simplement, donc, je peux rendre l'écriture exponentielle moins x sous la forme suivante. Et puis, on peut décomposer donc, le quotient. On se place maintenant, au début, donc c'était un produit, et maintenant, on voit une somme. Pour la première qui est x, associé x sur exponentielle x, donc je peux inverser celle-là. Je vous rappelle, donc là, c'est une limite remarquable. Et en inversant, donc, on trouve 0. Et pour la deuxième encore 0, ce qui est demandé, donc, je peux conclure que... Delta est une asymptote oblique. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de préciser le voisinage. Passons maintenant à la partie suivante. Nous sommes toujours dans la question 2. Trois travaux dans la question 2. Il y a donc le travail de A, de B et de C. Une fois qu'on a prouvé que Delta est une asymptote oblique, juste parenthèse à ouvrir, vu qu'on va nous ramener question par question, à savoir tracer la courbe de F une question qui se pose lorsqu'on va faire le traçage il n'y a pas uniquement une courbe maintenant on voit une courbe et une droite et de là ce qui est sûr il y a une position relative à étudier pour savoir est-ce que la courbe elle est au-dessus de la droite ou bien le cas contraire ce qui est demandé donc dans la question de C donc pour euh, étudier la position relative entre une courbe et une droite alors il suffit d'appliquer donc ce qui est en rouge cela veut dire essayer d'étudier le signe de l'expression f de x moins ax plus b. Et puis, c'est à vous de conclure. Ça dépend du signe trouvé. Donc, ce qui est fait dans notre cas ici, en cherchant donc cette différence de f de x moins parenthèse x moins 2, on se place avec ce produit de deux fonctions, dont l'une qui a x associé exponentiellement à x, elle est toujours strictement positive. Et de là, le problème nous ramène à conclure que le signe de cette différence est celui de. La fonction qui a x associé x plus 2. Pour connaître donc le signe de la fonction qui a x associé x plus 2, donc on peut poser x plus 2 égale à 0 pour savoir elle s'annule pour quelle valeur. On trouve donc ce tableau de signes et là on a deux signes. Donc trois cas donc à conclure. Le cas 1, lorsque f de x moins ax plus b est négatif, je peux conclure que la courbe est en dessous de la droite. Le cas 2, lorsque f de x moins ax plus b elle est donc, alors, pardon, strictement positif, alors donc, la courbe elle est au-dessus de, de, de la droite pardon, delta. Et le dernier cas, lorsqu'elle s'annule, dans ce cas-là, on voit que la courbe coupe cette asymptote. Passons à la partie suivante. C'est la question 3. Ce qui est demandé dans la question 3, vous allez me dire, monsieur, mais on voit l'expression de la fonction g. Pourquoi donc le retour de la fonction g N'oubliez pas, entre parenthèses, l'objectif de l'exercice numéro 2, c'est. Connaître le signe de la dérivée de f en utilisant donc le signe de la fonction g, ce qui est demandé dans la question 3a. Montrez que f' de x s'écrit sous cette forme-là. Une question d'égalité. Pour répondre à cette question-là, il faut que l'un entre vous capable de savoir calculer donc la dérivée d'une fonction. Voilà pourquoi, donc là un petit rappel, comment on cherche la dérivée d'une somme et comment on cherche donc la dérivée d'un produit entre deux fonctions qui sont dérivables. Ici, donc, en regardant donc l'expression de f de x, qu'est-ce que je vois ici D'abord, il y a un produit, et puis une somme. Donc, d'abord, pour chercher la dérivée donc de ce produit-là, on applique la forme u fois v qui donne dans la dérivée u prime v plus uv prime. Et pour l'autre, c'est un polynôme qui ne pose pas de problème. Et ce qui est fait donc dans le calcul. Donc, faire attention. Si le jour de bac j'arrive à cette égalité, c'est bien pour moi. Si ça ne marche pas, donc sûr, il y a une faute, soit dans l'application de la dérivée, ou bien une faute de calcul. Passons à la partie suivante. Maintenant, nous sommes toujours dans la question 3. On a fini donc de montrer cette égalité. Il nous demande de dresser le tableau de variation de f. Bien sûr, nous sommes d'accord pour arriver à répondre à la question 3b. Donc, on doit d'abord connaître le signe de f' de x. Voyons l'expression de f' de x. On voit un produit entre deux fonctions telle que la fonction qui a x associé exponentielle moins x toujours strictement positif. Donc, pas de problème pour cette fonction-là. Il reste maintenant à connaître le signe de g. Et voilà maintenant, mademoiselle et messieurs, le rôle d'une fonction auxiliaire. Connaissant le signe de g, déjà fait donc dans la première question de l'exercice numéro 2, je vous rappelle qu'on a montré que g de x est positif pour tout réel x. On a un produit entre deux fonctions. Donc, je peux conclure que f' de x est positif. Et puis, pour arriver à donc, dresser donc, le tableau de variation, il reste à chercher donc, les limites au bord. Toujours, on vous demande de chercher donc, les limites lorsqu'on vous pose cette question-là, dresser le tableau de variation. Donc, la première limite, déjà, donc, on a fait ça dans la question 2a. Il reste maintenant à chercher cette nouvelle, pardon, cette nouvelle limite au voisinage de plus l'infini. Donc, encore une fois, il suffit donc de faire une première lecture de la recherche de cette limite. Si on se place avec un cas simple, c'est gagné. Sinon, donc, c'est à vous de changer donc la forme de la fonction, ce qui est évident donc là, et on trouve finalement plus l'infini. Passons maintenant à la partie suivante. Dans la question A, une nouvelle question demandée, toujours dans l'étude d'une fonction. Pourquoi Vous allez me dire, Monsieur, question par question. Euh, Il nous demande parfois de chercher donc euh, à interpréter graphiquement pour arriver donc à parler des branches infinies. Parfois, on vous demande de montrer qu'une droite est une asymptote, tout simplement pour vous aider à faire un, pardon, un bon traçage de la courbe. Ce qui est demandé dans la question 4A, c'est montrer que l'origine de repère, le point O dans les coordonnées 0, 0, est un point d'inflexion de la courbe CF. Donc, essayons de lire ce qui est proposé en rouge. Bien sûr, lorsqu'on parle d'un point d'inflexion, alors on parle de f double apostrophe qui indique la dérivée seconde de f. Il y a une première dérivée notée f prime avec une seule apostrophe et il y a une notation f seconde avec deux apostrophes. Vous allez me dire c'est quoi le rôle de chercher donc à calculer f seconde de x pourtant il n'a pas demandé ça dans la question 4a tout simplement pour appliquer ce qui est en rouge pour arriver à conclure que la courbe qu'un point pardon dans les coordonnées par exemple a b est un point d'inflexion. Il faut donc que F seconde de x s'annule, ce n'est pas suffisant s'il vous plaît, en changeant de signe au point d'abscisse grand A. Ce qui est donc fait donc dans cette partie-là. D'abord, il faut que F doit être deux fois dérivable sur son domaine R. Pourquoi Pour parler donc de la dérivée seconde. Vous allez me dire comment on cherche à calculer f seconde de x, c'est la dérivée de la dérivée. Je vous rappelle qu'on a trouvé donc f prime de x dans l'expression c'était exponentielle moins x fois j de x. Il suffit de remplacer j de x par son expression. Simple calcul, on trouve cette nouvelle expression-là. Et puis, essayer de refaire, donc chercher la dérivée de f prime pour trouver finalement donc ce produit de f seconde. Passons à la partie suivante. Voilà maintenant. On va montrer maintenant et conclure que le point O est un point d'inflexion de la courbe CF. Je vous rappelle qu'on a trouvé donc F seconde de x est égal à x exponentielle moins x. Pour appliquer donc ce qui est en rouge, il faut vérifier ces deux conditions. Il faut que F seconde s'annule et change de signe. Voyons l'expression de F seconde de x. Encore une fois, c'est un produit entre deux fonctions. La première qui a x associé x et la deuxième qui a x associé exponentielle moins x. Celle-là, sans signe, ne pose pas de problème. Il reste quoi à connaître le signe de la fonction qui a x associé x, ce qui est fait dans le tableau. X s'annule en 0 sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc je peux déduire le signe de x. C'est simple, c'est pas compliqué. Et finalement, on voit maintenant, vu que f seconde de x sans signe dépend de x, je peux conclure quoi maintenant que f seconde s'annule. Échange de signe en 0. Donc là, on peut faire un deuxième tableau pour mettre donc, le signe de f seconde, ou bien on peut répondre comme ça, vu que le signe de f seconde, il dépend de x. La conclusion est la suivante c'est de conclure que le point O est un point d'inflexion. Passons maintenant à la question suivante. Voilà, maintenant, n'oubliez pas, l'objectif de l'exercice numéro 2, c'était étudier une fonction et en finir par le traçage de sa courbe. Mais ce qui est demandé là, c'est tracer la courbe de F avec l'asymptote. Tout ça, déjà fait dans les parties précédentes. C'est un petit rappel pour ce qui est fait dans les parties précédentes. Bien sûr, lorsqu'on vous demande de tracer une courbe, ce n'est pas vite fait, donc, tracer donc, les deux axes et comme ça au hasard pour chercher l'allure de la courbe. Non. Toujours donc, étape 1, une bonne lecture de son tableau de variation. Étape 2, Essayez de refaire lire ce qui est trouvé dans les questions précédentes comme étant donc euh, branche parabolique. Au voisinage de moins l'infini, la courbe CF a une branche paraboli, pardon, parabolique de direction l'axe vertical, ce qui est fait là. Et au voisinage de plus l'infini, on a conclu précédemment que la droite delta, c'est une asymptote. Et n'oubliez pas qu'on a le point O est un point d'inflexion. Et de là, donc, euh, la fonction F, je vous rappelle qu'elle est croissante. On voit donc une courbe qui monte. Elle passe par le point de coordonnée 0,0, l'origine de repère. Et quand vous le voyez là, donc, là, explication graphique de mot point d'inflexion, quand vous le voyez donc là, on voit que la courbe, si on trace la tangente au point d'abscisse 0, on voit que la courbe CF, parfois, elle est en dessous donc, de la tangente et parfois, elle est au-dessus. Par lecture graphique, pour savoir est-ce qu'une courbe admet un point d'inflexion ou bien non, et il faut que sa courbe traverse la tangente en ce point-là, ce qui est le cas, donc le cas ici. Donc, voilà donc pour cette question-là. Passons à la suivante. C'est la dernière question. C'est le calcul d'air en utilisant une intégrale. Donc, essayons de lire ce qui est demandé. D'abord, on voit cette notation A indique R entre parenthèses lambda. Ce qui est proposé dans l'énoncé de l'exercice, c'est l'air de la partie de plan limitée. On parle d'une partie de plan limitée. Vous allez me dire « Où est-il le plan ?» On voit donc le traçage là. On va ici d'abord de représenter graphiquement donc ce qui est demandé. C'est l'aire de la partie. Du plan limité par qui Par la courbe CF. On voit la courbe de F. La droite delta, encore on voit la droite delta. Mais on ne voit pas les droites indiquées. Deux droites verticales, la première dans l'équation c'est x égale à moins 2 et la deuxième dans l'équation x égale à lambda. C'est quoi lambda c'est une inconnue, mais il a proposé dans l'énoncé que lambda est un réel strictement supérieur à moins 2. Donc je peux comme ça passer donc à la figure pour chercher donc à calculer l'air. La question demandée, montrer que A de lambda est égal à exponentielle 2 moins parenthèse lambda plus 3 exponentielle moins lambda. Là, ce qui est en rouge, c'est un rappel pour le calcul d'air plein. Comment on cherche l'air en unité d'air N'oubliez pas que là, l'air a une unité de la partie de plan limitée par une courbe, une asymptote et de droite verticale. Il suffit donc d'appliquer ce qui est en bleu. Et puis, on applique donc ce qui est proposé en bleu. Écriture intégrale de moins 2 à lambda. Qu'est-ce que je vois à l'intérieur Valeur absolue. Pourquoi vous allez me dire donc valeur absolue vu qu'on ne sait pas donc le signe de ce qui est à l'intérieur vu que l'air est toujours positif, pour éliminer donc les deux barres qui indiquent valeur absolue, il faut donc étudier la position relative de la courbe de f par rapport à la droite delta, ce qui est fait dans la question précédente. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit On voit donc que la courbe, voici donc l'air dans la partie hachurée, on voit que la courbe dans l'intervalle moins 2 lambda, elle est au-dessus de l'asymptote oblique, et de là, donc, je peux dire que le signe de f de x moins x moins 2, est positif, voilà pourquoi donc j'ai le droit d'enlever donc le 2 bar en gardant la même écriture, puis je remplace donc f de x par son expression et je remplace, euh, pardon, je remplace f de x par son expression et faire le calcul déjà fait dans la question précédente lorsqu'on a élu donc la position relative entre la courbe et la droite On se place avec cette nouvelle écriture d'intégrale. Une parenthèse comment monsieur nous sommes capables de calculer une intégrale si on essaie mentalement de voir la fonction qui est à l'intérieur. Est-il possible de chercher une primitive de cette fonction Si ça marche, bien sûr que oui. Mais dans notre cas ici, il vous demande dans la question d'utiliser une intégration par partie. Un petit rappel pour une intégration par partie. Là, à l'intérieur, on voit un produit entre deux fonctions. C'est à vous de choisir maintenant qui joue le rôle de u de x et qui joue le rôle de v prime de x. Donc ça, c'est le début. On a choisi donc u de x. Égal à x plus 2, v' prime de x égale à exponentielle moins x. Une fois qu'on a choisi u, on passe à calculer donc, euh, sa dérivée. Et une fois qu'on a, cho euh, qu a choisi pardon, v' prime de x, on passe à, calculer donc, euh, à, pardon, à trouver donc, euh, une primitive de v'. N'oubliez pas ce qui est entre parenthèses ce passage, il faut que la fonction u soit dérivable. Et ce passage-là, il faut que la fonction u soit continue. Et comment on applique une intégration par partie pour calculer l'air à lambda tout simplement, on cherche d'abord entre deux crochets le produit de ces deux fonctions-là, et puis moins une nouvelle écriture d'une intégrale entre ces deux fonctions-là, ce qui est indiqué donc dans cette partie-là. Une fois qu'on applique donc ce qui est proposé, là, pour faire ce passage-là, vous devez remplacer donc le x une fois par lambda et autre fois par moins 2. Faire attention encore une fois pour, donc pour le calcul. Et pour l'autre, on se place maintenant à savoir calculer une intégrale avec une primitive. Donc l'utilité de l'intégration par partie, c'est pour faciliter la recherche de cette aire-là. Là on se place avec la fonction qui a x associé à exponentielle moins x. Une primitive de cette fonction c'est la fonction qui a x associé moins exponentielle moins x. Pour vérifier ce passage le jour de bac s'il vous plaît, essayez mentalement de refaire chercher donc la dérivée de ce qui est entre crochets. Et puis on va refaire le même travail déjà fait au début. Remplacez x une fois par lambda et une autre fois par moins 2. Calcul simple, on prouve ce qui est demandé. Dernière question pour finir, c'est la question 5b. Une fois qu'on a trouvé donc l'expression donc de l'air à lambda, on vous demande de calculer la limite de a lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini. Donc là, on voit cette expression là, en fonction de lambda, n'est pas en fonction de x maintenant, et c'est c'est un calcul donc de limite. Si on se place avec une forme indéterminée, c'est à vous de, donc, de changer la forme comme c'est fait là. Et finalement, on trouve ce qui est demandé. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'ai proposé donc deux exercices, mais juste un petit message pour vous, chers élèves. N'oubliez pas, donc, il vous reste quelques jours pour le jour de bac. Tout est possible maintenant. Yes, we can. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, le bon travail et la bonne révision.